Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse fondamentale du BNB de chez Binance Smart Chain. Ce il faut savoir sur le BNB, c'est que c'est la devise native de l'exchange Binance qui a été mise en ligne en juillet 2017. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Binance Coin est une monnaie numérique échangée et utilisée sur la crypto-bourse de Binance. Son symbole est le BNB. Et comme le bitcoin, c'est une crypto-monnaie pour ceux qui veulent faire face au marché de devises numériques. Pour ce qui est de l'origine du projet, le BNB a été créé par l'Exchange Binance en juillet 2017, au même moment que la plateforme. À ce moment-là, il reposait sur la blockchain Ethereum avant de passer sur sa propre blockchain en avril 2019, qui est une sorte de copie centralisée d'Ethereum. La plupart des développeurs sont basés en Chine. On peut d'ailleurs citer Changpeng Zhao. PDG et fondateur de Binance, qui est un membre stratégique et incontournable du développement de l'écosystème. Sa principale utilité des BNB est de pouvoir bénéficier des services proposés par Binance. Ils permettent une réduction des frais de transaction sur la plateforme avec la possibilité de les staker pour obtenir des récompenses. De plus, il est possible de participer au lancement de certaines crypto-monnaies en utilisant des BNB à travers le Binance Launchpad. Et au travers de la Binance Smart Chain, le BNB fait office de gaz. On s'en sert pour payer les frais de transaction au sein de la blockchain et lors des interactions avec les smart contracts. Initialement, un maximum de 200 millions de BNB était disponible. Mais Binance s'est engagé à retirer tous les 3 mois des tokens à hauteur de 20% de leurs bénéfices. Cela permettant de diminuer le nombre en circulation et ainsi indirectement d'augmenter la valeur du BNB. Et ce qu'il faut savoir, Tex et Burns s'effectueront jusqu'à avoir un total de 100 millions de BNB restants. Maintenant, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un burn, c'est qu'avant la migration du BNB à la Binance Smart Chain, Binance effectuait des coin burns, plus précisément destruction de jetons sur le réseau Ethereum en se servant d'une fonction d'un contrat intelligent dite de brûlage. Le montant de jetons que Binance choisit de brûler est tout simplement basé sur le nombre de transactions effectuées sur la plateforme au cours des trois derniers mois. Depuis le lancement de la Binance Chain, la destruction des jetons ne s'effectue plus sur le réseau Ethereum, mais s'effectue désormais par une commande spécifique sur la Binance Chain et non plus via un smart contract. Passons maintenant sur CoinMarketCap. Comme vous pouvez le constater, le BNB se positionne à la quatrième place du classement crypto-monnaie et elle a une capitalisation boursière d'un peu plus de 55 milliards de dollars avec 100% de ses tokens en circulation au niveau des investisseurs présents et des organisations présentes sur le BNB, vous allez retrouver l'Unix Venture, Multicon Capital qui est une grosse, grosse société et M30 Capital. Je vous invite à faire vos propres recherches dessus pour voir si pour vous le BNB est un projet viable ou non. Vous retrouverez également sur notre site internet Trade and Opportunity. Notre fiche technique du Binance avec nos analyses techniques qui vont arriver prochainement et tout ce qu'il faut savoir au niveau du BNB. Les points à retenir au niveau de cette analyse fondamentale premièrement, on se retrouve avec BNB qui se positionne à 4ème place du classement crypto-monnaie avec plus de 50 milliards de capitalisation. Donc là, ça reste une grosse capitalisation boursière déjà. Mais chose importante, on se retrouve avec 100% des tokens en circulation et des tokens qui sont brûlés au fur et à mesure, donc qui va permettre une rareté par rapport au prix du token. Voilà, cette analyse fondamentale est terminée. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.